من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبر الهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر الا وصلي وسلم على سيدنا محمد بحر انوارك des êtres devant la nature de Tijani et de la fois dernière, nous avons parlé d'un conseil que chaque chrétien nous avait donné. Vous avez demandé d'apprendre de cœur toujours accroché à son mental. Et donc, je souhaitais qu'il pouvait s'appeler ici à pratiquer. Et nous avons fait une prière. C'est cette prière-là que l'Arabie a dit que Hassan a traduit. C'est une lueur qui demande de faire. Alors ici, Chahmat Chani va donner quelques explications par rapport à cette prière-là. D'abord, il a dit que cette prière va aider le vénérable Dieu à avoir le cœur accroché à avoir son nom d'Allah. Il dit les adhérents ont appelé Jibulamara al-Nahman al-Nasr al-Nasr. Mais si toutefois, le serviteur étant convenu à cette gloire, le pratiquant ou la pratiquant à tout moment, mais cependant, la personne voit qu'il a en lui des états qui ne sont pas conformes à cette gloire-là. Alors, en ce moment-là, il dit Mala yutaibu hazadwa, zakara nafsahu ma'ani hazadwa. Alors, il fera tout pour rappeler à son âme l'essence profonde de cette gloire-là. Et on a dit que cette gloire-là, le sens est ainsi ô Allah, c'est en toi que je retourne mon être, et c'est en toi que j'acquiers la félicité. Et c'est en toi que ma vie pourrait être meilleure. C'est en ton inspiration et en ton droit que je fais référence, de toutes les façons que tu m'entends. Tes jugements, j'ai agréé et ma quiétude est dans ton existence. Celui qui subsiste par lui-même, c'est la parole de Dieu qui subsiste par lui-même. En toute chose, j'atteste, je vois, j'ai confiance que rien de minime ou de grand ne peut être qu'avec ta connaissance et en ton pouvoir. Même si j'acquiers la quiétude tout autour de moi, en moi je vois que cette quiétude ne vient que de toi. En réalité, ça veut dire que la personne ramène tout son être à la soirée. Mais si jamais la personne avait remarqué dans son dévot, dans son âme, que les pratiques de son âme, les penchants de son âme ne connaît pas avec le sens de ce gloire-là. La personne a le pouvoir de rappeler à son âme les profondeurs et le sens de ce gloire-là. Le but ici, c'est d'aider ton âme à être accrochée toujours à la façon mentale, par tous les moyens possibles. Il dit on soit par là à la hâme de neuf séjour. Alors la personne doit aussi être patient en supportant ses sens profonds à son âme. Il dit ça pour la réalité à mon compte. Celui qui parvient à faire cela, alors son cœur pourrait facilement supporter ses sens profonds-là et être accroché à son âme. Il rêve de tout l'immense soir ou en se détachant de toute autre chose en devant par son âme. Il dit ce qui vient de Dieu tout à l'heure. C'est une grande porte qui mène à la connaissance de son Allah. Pour celui-là qui aura eu un temps soit peu la saveur des connaissances de son Dieu. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit que Cheikh Ibrahim Elias a tellement parlé. Quand il faisait faire la terre bien à quelqu'un, celui qui voulait qu'il découvre Allah subhanahu wa ta'ala. Il te donnait la ilaha illallah, wa mawalaha, wa vrai, wa batun. Il te donnait aussi la salat al-fati. Il te recommandait de le faire à
un moment précis de ton temps, avant de te coucher, à 11h du matin et après la prière du soir. Moi aussi, pour que ton cœur soit approché à Allah et que le développement soit facile, il te recommandait cette gloire de Allah, Malika Mahouen. Et c'est ce que chef contient le début tout à l'heure là. Il dit, ceci est une grande porte qui mène à la connaissance de son Dieu. Il veut parler tout un jour du dévoilement, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que cette gloire-là peut permettre d'avoir un cœur aussi rapidement dévoilé quand il commence à pratiquer ces cycles du dévoilement. Alors donc, toute personne qui veut insister à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la première connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dévoilement qui s'agit de l'essence de Dieu. Dieu a une essence, il faut connaître Dieu dans son essence. Dieu a des noms, il faut connaître Dieu dans ses noms. Dieu a des attributs, il faut le connaître dans ses attributs. Dieu a des œuvres, il faut le connaître dans ses œuvres. Cette gloire-là permet au cœur de l'être humain d'être vite dévoilé par rapport à la compréhension profonde de ces quatre dimensions que j'ai dit tout à l'heure. L'essence de Dieu, le nom de Dieu, les attributs de Dieu et les œuvres de la sœur de toute personne qui veut parler de la connaissance des hommes de Dieu, ici quand on parle de Arija, de la réalité sur les Ambiades, tous les grands saints sont appelés Arija. Et on a dit que dans un propos de Ibn Arabi al-Hatimi, il a dit que son chef, Al-Hawzu, a eu un échange avec un de ses amis. Et il a dit Arija, que les hommes qu'on appelle Adjal, il n'y a que quatre catégories d'hommes. Il est Mahmoud, il est premièrement le prophète. Dieu a dit et tout ce que nous avons envoyé avant toi, Mohammed, étaient tous des hommes. Et ces hommes-là avaient reçu la révélation. Tu vois que pour parler de prophète, Dieu a utilisé le mot Adjal. Deuxièmement, il dit, il y a des hommes dont le négoce ou le commerce devait les distraire de l'occupation de Dieu. Dieu a dit, il dit, j'ai un donc il dit, ceux-là, ce sont des hommes de Dieu. Et puis, troisièmement, il dit, ou Alain Araf, il dit, ici, l'espace qu'on appelle Araf, il dit qu'il y a des hommes qui distinguent les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. D'après Chef Ahmad Tijani, ce sont des Arifunabillah. Parce que la Ma'rifa te permet de comprendre ce qu'on appelle le Jabou et de comprendre ce qu'on appelle le Fahm. Dans ces deux dimensions-là, le Arifunabillah, il est au-dessus de ça. Il n'est pas seulement Jabéan, il est aussi Fahriban. Et il sait la distinction de celui qui est dans le Fahm et celui qui est dans le Jabou. Donc, Alain Araf, le Jabou, le Arifunabillah, ici, Mahmoud. Ça fait trois types d'hommes. Les prophètes, les envoyés, la connaissance de Dieu. Maintenant, il dit que les hommes sont quatre groupes de personnes. Le quatrième groupe de personnes qu'il a cité, il a dit « Wa'azim finnazi »« Wa'azim yatouka »« Rijana »« Wa'azim de Bami »« Yatina minifajinani » Il dit « Dieu a dit au prophète la parole. » Il dit « Donne la permission aux gens de venir faire le pèlerinage, ils deviendront en marchant. » Ayastabuluna » ils vont utiliser leur pied pour atteindre les lieux du paradis. Le paradis, mais on dit, on ne parle pas des hommes ici. On parle des gens qui viendront en utilisant leurs jambes. Il dit, ah, t'as pas compris. Il dit, ne sais-tu pas que, on dit qu'un homme est bon que lorsqu'il descend des coups de sa maman, lorsqu'il a la force dans ses jambes pour marcher sur la terre avec ses pieds. Il dit, c'est ainsi le son de Dieu. Dès l'instant que tu sors des illusions, pour toi était des réalités et que tu sens sur la réalité de la terre qui est la réalité de la connaissance. En ce moment-là, tu n'es plus dans les illusions de ta mère. Et ta mère ici, c'est Dunia. Dès l'instant que tu ne sors pas des illusions de Dunia pour comprendre les réalités, c'est comme si tu n'avais pas assez de force dans tes jambes pour marcher sur la terre des réalités. Et bien, cela, ce sont les connaissances de Dieu. En dehors de cela, à toi, même tu me vois. Ils sont tous des femmes. Si tu veux être un homme
soit tu es un prophète, soit tu es un messager, soit tu es un arbre-bilal, soit tu es un moftour alayhi. Quelqu'un qui a été dévoilé. Mais en dehors de ceux-là, ceux qui n'ont pas été dévoilés sont tous les femmes chez les hommes de Dieu. Et quand on dit le homme de Dieu là, il s'agit de ceux-là, même si avec une femme par terre. Si une femme a été dévoilée à un niveau parmi ces quatre niveaux-là, c'est un homme. Si un homme n'a pas été dévoilé parmi ces quatre niveaux, c'est une femme. Alors donc, on a dit tous ceux-là qui n'ont pas encore été dévoilés, de venir faire la tarbiya afin d'être comptabilisés du nombre des hommes, sinon on va les comptabiliser du nombre des femmes. Et il y a des personnes qui se plaisent à rester parmi les femmes. Réveillez-vous, serons parmi les hommes. Et donc, je te demanderai de faire l'effort de corriger ton ego. Autant que tu le veux. Sache que l'expérience de vie là est très courte. Même quand tu vis 100 ans, ça ne veut quoi? Rien du tout par rapport à l'au-delà, même par rapport à la vie tombale. La vie tombale là-bas, Dieu seul sait combien d'années on va vivre là-bas. Mais surtout par rapport à l'au-delà. À l'au-delà où la vie est éternelle, une vie qui est relative ne représente rien du tout, même si c'est une vie de 1000 ans, puisque la relative n'est pas absolue. Alors que dans l'au-delà, la vie est absolue. On vivra aussi longtemps qu'on veut, et là-bas, il n'y a pas de mort. D'ailleurs, même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, Dieu va donner la forme d'un bélier à la mort. Et on va venir avec ce bélier là et le gorger. Je dis qu'à partir de cette heure-là, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Et auparavant, il avait dit que Dieu va donner la forme à la vie par un cheval. C'est ce cheval-là que Dieu l'a montré quand il allait voir ses membres. Partout, quand le cheval-là faisait un, c'est-à-dire un sabot de pied, cette partie de la terre qui était morte se vivifiait. Parce que Dieu avait transformé la vie et lui avait donné la forme du cheval qui s'est mis pour la monter. Donc on sait que la mort aussi sera transformée et Dieu va lui donner la forme d'un bélier qu'on va dégorger. Pour dire qu'à partir de cet instant-là, il n'y a plus de mort. Donc toute personne qui va atteindre cette dimension-là, la personne va vivre de manière absolue. Quelle que soit la vie sur terre, c'est une vie relative, mystique. Donc, on ne peut pas comparer ce qui est relatif à ce qui est absolu. Ailleurs, ton compte là, tu vis pour ça aussi longtemps que tu verras. Donc, cette vie-là, même si c'est 2000 années, elle est courte. Alors, aujourd'hui, on voit des personnes qui vivent 100 ans. Il faut vraiment se lever très tôt le matin. Celui qui vit 100 ans en bonne santé, et lui-même ne survient pas à la mort, c'est encore difficile. Alors, donc, il ne faut pas négliger ce qui peut t'amener à avoir une vie éternelle. Dans la paix, dans la joie, au détriment d'une vie éphémère et d'une vie relative. Il dit donc, la vie est très courte, le voyage est bon. Ce n'est pas le voyage pour aller de toute façon, c'est le voyage d'un monde aller vers un autre monde. Donc ce voyage-là, il est long, puisque tu n'as aucun moyen de l'assumer par toi-même, c'est Dieu qui te fait faire ce voyage-là. Voilà, Akabat Kahou. Il dit aussi, les embûches sur le chemin sont nombreuses. Tu peux te toucher à tout moment et tomber. Alors que la vie est courte, le voyage est long. Et tu peux te toucher à tout moment pour tomber. Voilà, il le symbole. Et ce que tu portes comme fardeau là est lourd. Imagine quelqu'un qui doit faire 1000 km avec un bagage de 1 tonne sur lui et avec des pieds sur la route. Finalement, on verra que ce voyage est impossible. Alors, c'est comme ça qu'il nous représente que Dieu le voyage d'un être humain, que ce monde ici va la voir d'un au-delà. La vie est courte, le chemin est long, et tout fait d'embûches, et de la responsabilité, j'allais dire, le bagage que tu as comme fardeau est lourd. Et de voir qu'il s'en vient d'un livre, il est chahid, et également, rendre compte, vivant Allah est très pénible et difficile.
Parce que Dieu va te demander de donner des explications sur tous les infras que tu as utilisés, si tu es riche. Sur tous les regards que tu as créés, pourquoi tu as émis ce regard-là. Sur tous les états qui t'ont habité, il n'y a rien qui sera dirigé. Et tu vas avoir surtout, comment ça vient de la salue, ça, le malgré tout ça, Dieu est bon et rapide. D'après chaque collègue et nièce, tout cela se fait entre Zoom et Asmi, tu es affiné de juger tout le monde. Tout le monde est jugé. Mais ces jours-là, ça, ça va paraître pour toi comme des milliers d'années. Tellement c'est difficile ce jour-là. Alors donc, faisons attention, chaque chose que tu utilises, tu vas rendre compte à cela. Le manger que tu as mangé, la vie que tu as portée, la femme que tu as mariée, tout ça tu vas rendre compte de cela. C'est ce qu'on a dit que tu as trompé pendant sa femme. Tout ça tu vas rendre compte de cela. On dit même, si deux animaux se sont attaqués, l'une a des cornes, l'autre n'a pas de cornes, celle qui a des cornes a blessé celle qui n'a pas de cornes. Le jour de la résurrection, Dieu les veille. Eux-mêmes, ils n'ont pas à être jugés. Ils donnent leur corps à celle qui n'a pas de corps. Ils font rembourser son tour et puis ils retournent le meilleur. Pour dire qu'il n'y a rien qui sera négligé. Donc, c'est important de faire beaucoup attention. Les crambolés, les tournées, les tournées, même les soucis, en fait, beaucoup attention. C'est la parole. Alors, pratiquer, on va dire ça, pratiquer tout ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est ça qui va nous délivrer de tout le frayeur. Par la chère, nous sommes. Alors, le grand chef, on va dire Mohamed bin Sambad, a fait une déclaration quand il a dit que toute personne qui a suivi une marche vers Dieu dans son cœur. C'est très important. Il dit celui-là, Dieu va parachever sa miséricorde sur lui. Parce qu'en réalité, le seul combat que Dieu a connu, c'est notre cœur. Souvent, on peut être hypocrite avec les actions extérieures. Ce que le mal saisit, ce que l'argent a suivi comme marche. Mais en même temps, notre cœur ne nous accompagne pas dans ce que nous faisons. Mais celui qui assure toute marche avec son cœur vers la transparence, Dieu parachève sa grâce sur nous. Parce que le seul endroit qui intéresse Dieu en nous, là, c'est le cœur. Donc, le cœur doit être un lieu où Dieu se réside. Et si Dieu réside dans le cœur, tout ce qui n'est pas état divin disparaît, même les états de Dieu. Parce que Dieu de l'esprit, la lune, par exemple. Dieu, quand il vient dans un cœur, quand le cœur va avec les états égoïstes, il chasse ces états égoïstes. Quand le cœur va avec les états de bestialité, il chasse ces états. Quand le cœur avait des états, j'allais dire, même angélique, tu vois que l'ange est grand, l'ange est doux, il est bon, mais on ne compare pas l'ange à Dieu. Quand Dieu est là, tous les états fuient, et ce Dieu subsiste dans le cœur. Alors, celui-là qui assume une marche vers Dieu avec son cœur, ça suppose que la personne a éloigné de son cœur tout état qui n'est pas divin. Et que la personne a enfoncé dans son cœur rien que les états divins. C'est parce qu'il y a des états divins dans ton cœur que le cœur choisit Dieu. S'il n'y a pas le cœur ou les états divins dans le cœur ne choisit pas Dieu. Si c'est des états d'animalité, ce sera une personne qui ne songe qu'à manger, boire et s'amuser. Ce sont les états d'église, ce sera une personne qui cherche seulement à filmer son orgueil. C'est moi, après moi, c'est moi. Généralement, ceux qui sont très orgueilleux, bel état, j'allais dire d'église, c'est donné pour tous les malheurs. Maintenant, ceux qui ont des états divins dans leur cœur, donc l'étincelle de lui qui est dans le cœur, a pu se propager, a envahi la personne, tu verras que la personne, quel que soit le lieu où tu la mets, la personne choisit le Dieu. Et c'est ainsi que chaque amant de la cité de notre manière, il est question de savoir dans la matière. Ceux-là qui assurent une marche vers Dieu avec leur cœur. Il peut être un ministre, il est habillé en veste, mais son cœur est avec Dieu. Il peut être un mécanicien, il est dans ses habits sales, mais son cœur est avec Dieu. Il peut être quelqu'un qui travaille à la radio, il est devant ses micros, mais son cœur est avec Dieu.
Et peut-être tout ce qui peut être de son cœur là n'appartient qu'à Dieu et rien ne peut être dans son cœur. Et quand tu es dans un état comme ça, Dieu par la chair, ça ne se déporte sur toi. Parce que le lieu qui intéresse Dieu, c'est ce lieu-là que tu as convié à la soirée mondiale. C'est de tout vers toi. Tu verras que tout le monde a ton amour dans son cœur. Tout le monde t'aime. C'est parce que tu as bien choisi Dieu. Et ce hadith-là, où le prophète dit, ton Dieu est un serviteur, il dit à l'ange Gabriel de faire un appel à tous les habitants célestes qui reconnaissent que Dieu est un tel. Et ce que nous avons dit, et après ce moment-là, Dieu met son amour dans le cœur de tous les êtres humains. Tout être humain qui le voit automatiquement même, parce que lui, son cœur a choisi Dieu. Quand tu veux savoir est-ce que Dieu est un tel ou pas, regarde, si tu vois que tous les êtres humains se dirigent vers une personne avec un grand amour dans la sincérité, ce n'est pas pour son argent qu'ils sont avec lui. Ce n'est pas parce qu'ils chantent bien qu'ils sont avec lui. Pour déployer les chanteurs et tout ça, parce que même s'ils ont beaucoup de monde derrière lui. Mais c'est la personne que tu vois, les gens, c'est même ceux qui prétendent ne pas les aimer. Quand ils sont à propos de eux, ils ne peuvent que les aimer. C'est étant l'un d'eux qui peut le critiquer. Alors, c'est le signe fort de l'amour de Dieu. Alors, il dit, voici la forme du jour, Hamdan, c'est l'Egypte. Il y a toute personne qui se détourne de Dieu. Dieu se détourne entièrement de lui. Tu te détournes de Dieu, alors Dieu te détourne et se détourne de toi entièrement. Et c'est quand Dieu se détourne de toi entièrement, toute sa créature également se détourne de toi. Parce que c'est lui qui est le créateur des créatures. S'il t'aime, tout ce qu'il a créé, même les animaux t'aiment. Si lui ne t'aime pas, tu vas voir que même tes propres enfants, tu as des problèmes avec eux. Ce que Dieu nous a donné. Alors celui-là qui fait de son affaire de Dieu par des moments seulement, il y a des moments où lui il est épris de Dieu, et d'autres moments il se détache de Dieu, alors ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que tu reçois de Dieu. Si tu l'aimes, à un moment donné, et d'autres moments tu es détaché de lui, nous aussi, ce n'est que par le moment qu'il demeurera, que nous pouvons cela nous donner de toi. Et dans tous les cas, tu n'es pas grand-chose. Alors, ce qui t'attirait là, c'est de te tourner vers lui, pas de te tourner vers lui. Lui confier toute ton entièreté et tu verras que Dieu te donnera aussi toute son entièreté. Alors, donc, la conséquence qu'il faut retenir ici là, c'est qu'il faut te détourner de toute autre chose en dehors de Dieu. Les habitudes de Moab et d'Ignasi pour Moab et d'Atihim. Si toutefois Dieu a fait de toi ton travail, c'est toujours mêlé au bon. Vous savez, être toujours avec les êtres humains, si tu ne sais pas le faire, tu oublies Dieu. Voilà pourquoi cette histoire de Khamwa a été créée. C'est les personnes qui, quand ils sont avec Dieu, ils se sentent un peu éloignés d'eux. Quand ils sont avec les hommes, ils se sentent un peu éloignés de Dieu. Donc, ils se sont retirés pour que leur cœur soit consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chaque matin, il nous donne la solution. Et cette solution-là, je vais le dire tout à l'heure. Alors, si tu es obligé d'être toujours avec le monde, fais-le pour Dieu. En résolvant leurs problèmes. Amenons-nous avec eux. Parce que tout puissant Allah, il aime voir que d'autres personnes s'occupent de sa créature. Quand tu es bon avec la créature d'Allah, alors Dieu sera bon avec toi. Mais tout cela, fais-le pour Dieu. Ça veut dire que ça ne sera pas fait, ça n'a pas souffert pour la vanité. Si tu le fais pour la vanité, les êtres humains disent secrètement, ça a été une information là-bas. Mais il va y avoir la question, alors qu'on a ces règles pour les moments qu'il n'y a pas, ni ma farati. Ils ont fait des retours. Au passant, ni faire de la table de cas qui est à l'autre de l'autre. Ni à qui est à la personne. À quel est à l'autre de l'autre pour pas lui bien dire qu'il y a un cas d'info de l'événement. Au passant, à l'autre de la personne. Donc, il y a ni à qui est à la personne. Il est tout en soi là. Il y a des temps qui a fait une guerre qui vient de faire. Il faut en faire. Parce que les êtres humains qui sont avec toi, c'est leur préoccupation qui les intéresse. Même si tu es fatigué à mourir, plus ce qu'il veut là, il va te demander de faire ça. Ce n'est pas son problème,
ta santé, ce n'est pas ton problème, son problème, ton problème. Son problème là, c'est ce qui l'intéresse, un point clé. Même qu'il semble, j'allais dire, compatir à ta douleur, vraiment, chef, tu es fatigué, hein? Il ne cherche pas de reposer. C'est toi qui es venu là, il a dit ça. Et c'est comme ça que nous sommes. Tu ne peux plus rien. Alors toi, mets-toi en tête que tes rapports avec les êtres humains là, tu ne le fais que pour Dieu. Et c'est dans ce moment-là que les rapports là, qui sont une très grande bénédiction. Et c'est dans ce moment-là que les rapports là, qui sont une très grande bénédiction. Alors, j'aimerais t'inviter, ce dont je te donne des conseils, et que tu peux avoir un gros profit là-dedans. Et je te donne des conseils de faire assez de salat sur le prophète Mohammed, son pouvoir avec salat. Mais en étant présent à la pratique du salat, ce n'est pas faire la salat en étant absent. Il dit, vous ouvrez le calme. Celui qui fait la salat sur le prophète Mohammed, son pouvoir avec salat. En méditant sur les grandeurs du prophète Mohammed, son pouvoir avec salat. Même pas que cela aura sur son cœur là, mais par contre celui qui fait la salat tout en étant absent, il a tenté de chapeler, mais son cœur va tourner aux États-Unis d'Amérique, après ça va en Russie, ça quitte là-bas, ça va en Congo, ça revient au Burkina Faso. Alors cet état-là n'a pas beaucoup de bénéfices sur ton cœur. Et ce n'est pas seulement le cas de la salat sur le cœur, etc., mais c'est l'ensemble des informations que tu fais. Alors pourquoi je vous demande la dernière fois, être un mec qui ne parle pas arabe doit faire de fort de connaître le sens des cycles qu'il pratique. Pour que cela puisse l'aider à méditer sur le sens de ce qu'il fait. C'est ça là qui va, j'allais dire, l'aider à être présent pendant la pratique de son cycle et à ne plus être absent pendant la pratique de son cycle. Et c'est très très important parce que tout ce que nous faisons, c'est le résultat que nous cherchons. Quand tu fais sans avoir beaucoup de résultats, parce que dans tous les cas, celui qui vient s'asseoir à faire des cycles, même s'il n'a pas de sens, il va en sortir avec des mérites. Mais l'impact sur le cœur, c'est la très faible. Donc, vous allez faire ce que nous voulons, vous connaître un peu le sens de ce que nous pratiquons comme si par les autres. Alors, donc, cette manière de pratiquer le cycle, en méditant au sens de ce que tu fais, comme tu as appris la commande, et surtout la soirée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un week-end sur le Hazam. C'est un trésor énorme. Un trésor qui n'a pas de fin. Ça veut dire que tu veux 1 milliard, tu mets ta main, ça te fait sortir 1 milliard. Tu as donné 10 milliards, tu mets ta main, ça te fait sortir 10 milliards. Et ce qui reste là est encore pour ce que tu as utilisé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, Dieu nous a donné tout ce que Dieu a, et ce que Dieu a de fini là. Ma inna combien de fardeau, comme ma inna ba'i, tout ce que Dieu a, il s'est manifesté avec ça dans la réalité mohammedienne. Voilà pourquoi le prophète Mohammed s'est dit, Mouan Qasim, et il a dit, inna ma adam Qasim, wa ba'u musubiha wa ta'ala wa mu'ti. Moi je suis le distributeur. Et pour que tu puisses profiter de cela, il faut que tu sois très proche de moi. Et tu ne peux être proche de lui qu'en faisant assez de salat sur lui. La pratique de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam va t'amener toi-même à être habité par le comportement prophétique. Ça fera que ce que le prophète Mohammed aime, tu les aimeras. Ce qu'il déteste, tu vas les détester. Et finalement, ça va faire naître en toi la dimension de la réalité prophétique qui est en toi. Et toutefois que Mohammed naît en toi, ça veut dire que le trésor, il est en toi. Et celui qui a le trésor en lui, ce trésor ne sera pas tamisa. Et tout ce qu'il aura besoin, il verra la main tendue d'Allah autour de lui et pour résoudre son problème, et cela à jamais. Alors donc, le disciple de la Tariqa Tijaniya, en réalité, il a tout pour être digne de sa vie. Il a tout pour être un ami de la Subhanahu. Et il a le prophète Mohammed, dont il est séduit par le comportement. Toutefois, qu'il fait assez de cela sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il recherche dans ce monde ici-bas, comme dans l'au-delà, Dieu lui donne avec la plus grande facilité. La plupart des tijanides, aujourd'hui, se sont détournés de la salat al-fati. Ils préfèrent autre salat que de pratiquer la salat al-fati. Moi, je connais un chef,
ce chef-là, lui, il ne pratique que la salat al-Fatih. Même le natif, il ne pratique. Il ne fait que la salat al-Fatih. Le Wallahi, ce chef-là, je l'ai connu depuis qu'il n'avait rien, depuis que d'autres personnes avaient mieux que lui. Aujourd'hui, là, il les a dépassés et tous. Il ne fait que la salat al-Fatih. Quand il pose avec toi, il ne dit que le minimum pour que tu puisses le comprendre. Mais dès l'instant que tu t'étais, voilà que tu es en train de parler, lui, automatiquement, il commence avec la salat al-Fatih. Il commence avec la salat al-Fatih. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu un jeune là-bas, il s'appelle Abouakar. Ce jeune-là, je n'ai pas vu quelqu'un aussi extraordinaire que ce jeune-là. Lui aussi, sa pratique, c'est la salat al-Fatih. Il ne fait que la salat al-Fatih. Mais ce que le jeune là voit, tu vas lui dire, c'est un des prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il te dit, il te dit ce qui va arriver pour lui, et ça arrive pour lui. J'étais vraiment étonné. Il dit que lui, sa fille-là, il a choisi la salat al-Fatih. Et ce jeune-là, il a tout. Mais quand tu le vois parmi les gens, humble, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il vient te donner l'argent, tu lui demandes où la personne de l'argent. Parce qu'il t'a fait bien quand même. Alors, c'est nous, Hachem, chez toi, qui nous sommes à dire. Quand il te donne, ce n'est pas 1000 dollars, ça va vous donner ça. Alors, tout ça va pour nous dire, retournons-nous à nos valeurs. Nos véritables valeurs, la Hachem était natif, salat al-Fatih. Natif, salat al-Fatih, natif. Tu regardes même, c'est ça même qui est le choc même de sa tariqa. Aujourd'hui, la tariqa tijaniyah est la plus grande tariqa du monde. On ne dit pas parce que nous sommes des tijaniyah, c'est aussi une vérité. C'est la tariqa la plus reconnue. C'est vrai que la tariqa qadriya et la tariqa shaziriya, qui sont des tariqas qui se sont démembrés plus que la tariqa tijaniyah. Par exemple, dans la tariqa qadriya, tu vas trouver la tariqa qadriya. Quand tu dis à Koutiya, les gens pensent que c'est une autre tariqa, mais c'est pourtant la tariqa qadriya. Il y a beaucoup de développement. Les grands chefs de la tariqa qadriya sont devenus comme eux-mêmes initiateurs de tariqa. Mais d'autres sont la tariqa qadriya. Ils sont comme ça la tariqa shaziliya également. Comme il y a la tariqa qadriya, c'est la tariqa shaziliya. Ils sont basés à l'Algérie. Alors donc, ça a eu beaucoup de développement. Mais en termes de nombre de personnes, la tariqa tijaniya a plus de monde au-delà de toutes ces tariqas, même si tu les réunis ensemble. Et les gens disent que la tariqa où le tour aujourd'hui, il y a six, ça dit, où sont le tour aujourd'hui là. C'est six grands tariqas. Et à partir de ces six grands tariqas là, tous les autres tariqas ont dérivé, mais en réalité ce ne sont pas des tariqas, ce sont juste des grands chefs de ces tariqas là qui se sont assis. Et telle influence appelée comme le semblant d'une tariqa. On va commencer par la tariqa qadriya, qui était la première tariqa que nous avons connue. Après la tariqa shaziliya, après la tariqa khalmatiya, après la tariqa nashabandiya. Il y a tellement de tariqa al-mihrabiya qui se trouve aujourd'hui en Soudan, au Soudan d'Érythrée. Et finalement, la dernière tariqa à être apparue, c'est la tariqa tijaniya. Mais elle a réuni plus de monde que tous ces tariqas que j'ai cités. Quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, là, ce ne sont que ces six tariqas et l'aide du membrement que vous voyez, Inch'Allah. Nous voulons à ce moment-là que Dieu nous donne la bonne conversion. Vous avez eu la chance d'appartenir à la tariqa du sceau des saints que le prophète Mohammed et Jean Tijani. Et tout ce que nous avons conseillé, celui qui se conforme à cela, la personne ne verra aucunement de difficultés dans sa vie. Dans ce monde ici-bas, mais encore mieux dans le monde où il est là, c'est que Dieu nous réserve là. Dieu nous la réserve au plus grand pour nous autres. Et Chantal a dit Laura, Akadu, 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 Naonana, la papa, on va parler de la Rakana, la Rakana, la Rakana. Si le monde de la Rakana vous voyait, c'est que Dieu avait réservé le chef Matijani. Et c'est ici, ce chef Matira, Dieu, tu nous as bien donné, tu as tout donné, le chef Matijani. Et c'est ici, quoi. Cheikh Tijani, il est comme Ramzul Islam. C'est comme le symbole des noms de Dieu. Voilà pourquoi tous les noms de Dieu là, leur autorisation est prise à partir de la personne de Cheikh Tijani. De celui qui sait comme celui qui ne sait pas. Quand Cheikh Tijani te donne un nom, il dit fais le natif, fais
la salat al-fatih, la valeur qu'elle a, tu ne peux pas la voir dans le même lien. Parce que tu as une notion de Cheikh Tidjani. Ce qui rend le jour plus facile que les autres notions. Parce que cette notion-là, c'est une notion de ce qui est une notion à tous les autres notions. Dieu nous donne une notion.